L'incendie, c'est ce qui montre aujourd'hui la nécessité. Monsieur le Président de l'ODARC, il y a forcément une réflexion à avoir là-dessus. Il y a forcément une stratégie à changer. Le maire de Bocognan, Noachille Martinet, y interpelle les élus du comité de massif. Au lendemain des récents incendies qui ont touché l'île au début du mois de janvier, les différents acteurs ont longuement échangé sur les moyens de lutte, mais surtout de prévention. On a besoin aujourd'hui d'installer des jeunes et d'inciter à produire davantage, à mettre en place des prairies. Parce que la meilleure prévention des incendies, c'est de créer des prairies. L'occasion pour les scientifiques de la section Projet Feu de l'Université de Corse de présenter ces travaux visant à mieux comprendre et mieux prévenir les incendies. C'est un sujet qui malheureusement avait été mis un petit peu en sommeil ces quelques dernières années parce que les événements nous avaient prémunis de ça. Et puis malheureusement, depuis 2 ans, c'est revenu en effet boomerang avec une nécessité forte de recherche, de sensibilisation et d'action sur le terrain. Aménagement du territoire, aide à l'installation des agriculteurs, accompagnement sur le débroussaillage légal ou loi dérogatoire en matière de défrichement, autant de solutions proposées. Le comité de massif souhaite unir l'ensemble des acteurs dans un travail interservice. Le comité de massif prend l'initiative pour faire converger les agences et offices, les SDIS, bien entendu, et tous les acteurs, comité de communes, PETR, intéressés. Et bien évidemment, chacun devra jouer sa partition avec ses compétences en la matière sous l'angle de la coordination. Et puis, bien sûr, si le fonds massif du schéma peut intervenir, notamment dans les aménagements, nous le ferons suite aux recommandations de ces réunions. Les assises de la montagne se poursuivent demain, toute la journée à Basté-Liga. Il sera question notamment d'aménagement numérique du territoire. Thank you.